Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis à votre service encore pour cette toute partie. Posez des questions. Si vous ne me posez pas de questions, moi je vous prie, ma chérie. Oui, là il y a les songes avant finalement. Là c'est bon. Un jour dans la. Jésus le prend dans la nuit. Dans la nuit. Le matin, lui, elle est sortie de la soeur. C'est le commandant. Et tu le sens dans le piano. Vous attendez là-bas. Wonderful. J'ai vu le soir, je commande dans la nuit. Je suis monté ici chez Papa Joseph. Quand on s'appelle pour aller aux eaux de matin. Oui. Il y avait les autres frères. Il y avait remarqué le frère Gédéon et les autres. Mais à un niveau, ils étaient dans la voiture. La voiture était pleine, c'est lui qui était au volant. On allait au saut de baptême. J'ai remarqué Papa Joseph et Papi, on marchait à pied. Eux, ils étaient devant avec la voiture. Et comme c'était plein, nous autres. Vous alliez à pied donc, vous souriez à pied. Claire.
Nous autres, à un niveau, où aller, au carrefour, arriver au carrefour, et à l'entrée pour entrer chez moi. Oui. J'ai dit chez les frères que bon, c'est mieux que j'aille prendre mon sang et je voulais trouver au carrefour pour qu'on continue à aller ensemble autour de Barthel. Mm. C'est comme ça que je suis entré là, dans, le, là, dans mon entrée là, pour aller chercher mon sang. Je me suis levé à ce niveau. Dès que je me réveille, je vois qu'il est 5 heures. Je prends vraiment mon sang, je monte. J'explique le songe à la soeur et la soeur. Elle me dit que le frère Gédéon, ils sont en ville. Réellement, pour venir, on peut se rencontrer à l'eau. Ce n'est pas facile qu'on marche ensemble. Ou ils vont venir avec la voiture, ou c'est comment. Bon, le songe là, moi je n'ai pas bien. Je voulais qu'on m'explique encore bien. Faut t'expliquer pourquoi tu allais prendre le sac. Non, c'est pas tout le songe. Ok. À la fin, d'accord, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait de particulier dans ce songe-là? Qu'est-ce que tu as vu de particulier? Qu'est-ce qui a marqué? Ici, j'ai marqué, j'ai vu deux groupes. Donc, tu es dans la voiture. Vous étiez à pied. Et tu as dit que c'est parce que la voiture était serrée. Et quand le baptême s'est passé, comment ça s'est passé? Quand finalement ça s'est venu, c'est venu pour qu'il n'y ait pas de baptisé. Et le baptême s'est passé, le frère même n'était pas. Et les autres frères qui étaient. C'est le frère Joseph qui a été baptisé. Et le, je crois le jour-là, on a marché. Pas, mais quand même, parce qu'il y avait les motos qui devaient nous amener à l'eau, il n'y avait pas une voiture. Donc c'était deux à deux. Donc c'est un songe à peu près alors. C'est un songe à peu près, parce que là finalement il n'y a pas de voiture, il n'y a pas la personne qui conduisait, mais il y a quand même eu baptême, il y a deux groupes d'autres étaient là, sur la moto. On arrive. Des questions? Oui papa, je vais demander en fait si on peut faire une messe d'action de grâce, si on ne peut pas que on ne peut pas, je veux savoir si ça existe. Une messe d'action de grâce, qui a entendu parler de messe d'action de grâce? Vous avez entendu? Oui. Bon maintenant, je veux que quelqu'un parmi vous me dise ce que c'est qu'une messe d'action de grâce. Si vous-même vous avez déjà pratiqué. En quelque sorte, c'est pour remercier un bienfait au Seigneur. Et comment ça se pratique dans l'église catholique principalement? On inscrit généralement, ils ont un taux qu'on inscrit la messe. Oui. Un taux. On paye, oui. Donc ça veut dire qu'on va vers le prêtre ou bien à l'évêché. Au secrétariat. On paye. Non, c'est pas ce que vous dites. Non, j'arrive. On comprend toi pas, on vient, c'est toi qui nous as donné le sujet, on continue quand même ici, continuons d'abord. Vous donnez une intention. Oui. Parce qu'on vous trouve, mais vous faites avec une intention. Oui. Que vous choisissez. Oui. Ça, là, après avoir fait cela, quand tout est bien inscrit, on peut le faire chez toi, à la maison, ou bien même quoi, dans leur paroisse. Dans leur paroisse. Dans leur paroisse. Ou bien chez toi. Le déplacement, donc, c'est pour cela qu'on paye. Le taux, c'est, la somme, c'est pourquoi? Dans les deux cas, tu payes. Dans les deux cas, tu payes. Oui. Ok. Je pose la question. Vous avez eu à pratiquer cela. Est-ce que c'est biblique? Non. C'est dans la Bible? Non. Bon, dis-nous maintenant. Tu n'as pas de messe d'action de grâce là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire que. Il y a deux. Tu as compris ce genre de messe d'action de grâce que les catholiques font là, non? Donc ça ne vient pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, donc ce sont des stratagèmes pour avoir l'argent. Oui. On dit par exemple que tu peux appeler la messe d'action pour prier pour sur la tête de ta mère qui est morte. Faire l'action de grâce pour prier pour ton commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des différentes façons pour les pentecôtistes, ils vont pas loin. Ils te vendent un mouchoir à 2000. Tu vois cela? Ils te vendent une bouteille d'eau. Chacun sa part. Les catholiques ont leur stratégie. Leur stratégie est constante depuis. C'est les pentecôtistes qui changent comme ça, comme les serpents. Allons-y. Je voulais passer, je voulais dire, demander comment on parle de en principe salaka. On parle de salaka. Si peut-être tu veux dire merci à Dieu, tu peux aller là où on t'a accouché, peut-être au village, si tu es au village, ou tu es peut-être comme moi, je suis à Manjo, je peux demander à un pasteur ou un frère, ou les frères, je demande aux frères qu'on aille là où je suis né, avec les enfants, on dit merci à Dieu, je ne sais pas si... Bon, on dit pourquoi merci. Là où tu es né? Pourquoi là où tu es né? Parce que on a enterré mon oncle là-bas. Si on avait enterré ça en Chine, tu veux aller les frères là-bas en Chine. En Chine. En Chine. Comment on a fait? Oui, on a besoin d'être délivré de ces traditions-ci. C'est comme ça, ou pour avoir de bonnes intentions. Vous savez, il y a une femme qui était venue de la France, elle m'a dit, frère Gignon, il y a l'argent là, je voudrais investir, je vais faire les boîtes de nuit pour les chrétiens. Je l'ai regardé comme ça.
quand, la façon qu'elle a vu mon, que cette personne a vu mon visage, elle a compris que je n'allais pas. Mais pourtant, elle avait de bonnes intentions. Elle veut faire des boîtes de nuit cette fois-ci pour les chrétiens. Bon, quelle sera la condition quand quelqu'un va venir? Vous allez faire comment pour savoir qu'il est chrétien? Il y a des cas d'antéchrétiens. Vous allez faire comment pour savoir que c'est le chrétien qui est là-bas? En plus, ça, vous allez jouer que j'ai des musiques. Quand les gens vont entrer là-bas, ils n'ont pas se coller. Ce sont les chrétiens qui peuvent coller. Donc maintenant, les chrétiens peuvent coller comme si c'est le chrétien pour être sanctifié. Les boîtes de nuit sanctifiés. Vous voyez comme une inspiration peut être. Une intention peut être bonne, mais l'inspiration est démoniaque, n'est-ce pas? Alors, on doit marcher comme la Bible marche. Maintenant, maman, voilà, voici donc ce que la Bible enseigne. Voici ce que la Bible enseigne. Tu veux savoir? Ouvre ta Bible alors. Il y a un enseignement en trois parties. Le titre, c'est les sources des bénédictions. Procurez-vous-en. Vous pouvez aller sur le site internet Bamba Iba, ça se trouve là-bas. Les sources des bénédictions. Dans ces trois enseignements, j'ai dit comment la Bible désigne que les gens doivent faire pour être bénis. J'ai cité les différentes sources principales, donc par la Bible. Si vous voulez être béni, comment faire? C'est pas d'aller acheter l'huile d'onction, aller donner l'argent au pasteur pour qu'il prie pour vous. C'est parce que là, il n'y a pas ça dans les Écritures. D'accord? Ésaïe chapitre 58. Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Souvenez-vous, ouvrez directement les psaumes. Vous repérez, vous avancez. Ou mieux encore, tout à l'heure, vous étiez dans Ézéchiel. Vous rentrez tout simplement derrière. Quand vous étiez dans Ézéchiel, vous rentrez derrière, vous allez trouver le livre du prophète Ésaïe. 58. Wonderful. 58, chapitre 58. Aidez quelqu'un à ouvrir. Aidez quelqu'un à ouvrir. Aidez quelqu'un à ouvrir. Vous avez ouvert, n'est-ce pas? Ouais. Normalement, si vous ouvrez, c'est Ésaïe chapitre 58. Tu y es, maman? Voilà, voilà 58, n'est-ce pas? Vous ouvrez Ésaïe 58 dans votre. Dans certains de vos livres, si on vous a écrit le titre, vous allez voir le vrai jeûne. Ou mieux encore, le jeûne que Dieu veut. Il commence par dire crie à plein gosier. Vous avez vu cela? Et ne t'étais point, ne te retiens pas pour d'autres versions. Et décrit à mon peuple ses iniquités. Puis il va continuer en disant que tous les jours, il demande des arrêts de justice. Il me cherche comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, ayez le temps de lire, prenez le temps de lire tout cela. Mais allons à partir du verset 6. À partir du verset 6, il va dire maintenant, voici le jeûne auquel il prend plaisir. On peut y aller, mon frère. Donc, je vais prendre cela pour lire avant qu'on touche, pour que ça touche ce que maman te demande là. Parce que très souvent, les gens font ceci. Quand ils ont une bénédiction, ils croient que c'est en allant donner au pasteur qui sera béni. Parce qu'ils croient que c'est le pasteur qui est plus proche de Dieu que s'il prie pour lui, ça va changer les situations. C'est pas comme ça. Dieu a ses règles à lui. D'accord? Et plus généralement, donc déjà, plus généralement, si vous voulez faire ce que Dieu a dit, vous voulez faire quelque chose sous votre inspiration, contrôlez vos intentions et vos inspirations sous le canon biblique. Il faut que ce soit inspiré par les Saintes Écritures. D'accord? Maintenant, verset 6, voici. Allons-y, mon cher. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà. Donc, ça dit, si vous voulez jeûner vraiment comme Dieu veut. D'accord? Voici donc le jeûne. Si Dieu dit voici le jeûne auquel je prends plaisir, il y attache un prix exceptionnel. Allons-y. Détache les chaînes de la méchanceté. Stop. Donc, ça veut dire que s'il arrive que dans ton cœur, tu as de la méchanceté, tous les sarakas ne serviront absolument à rien. D'accord? Dénoue les liens, de la servitude. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, là, vous avez votre Sainte Écriture. Il dit, voici. Si, donc, Dieu veut dire, si vous faites ceci, vous entendez de jeûner comme je veux. Un. Vous écrivez à côté, petit 1. On a dit, qu'on rompe tout l'esprit. Enfin, il dit, en premier lieu, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Donc, ça veut dire que les méchancetés ne doivent pas s'attacher à toi. Quand tu lis ça, tu t'arrêtes d'abord sur le premier point. Est-ce que je dois agir méchamment? Si c'était le cas, tu demandes pardon à Dieu pour être éloigné. Petit 2, dénoue le lien de la servitude. Qu'on rompe toute espèce ou quoi? Des jours. Continue, mon cher. Voilà le 3. Renvoie libre les opprimés. Voilà 4. On continue. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Voilà 5. Continuons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous entendez cela? Souligne ça. Ça, c'est très intéressant. Partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a des gens qui ne préparent de la nourriture. Même leur voisinage ne peut pas manger. La nourriture peut pourrir, ils jettent. C'est terrible.
terrible. Terrible ce que nous avons. Et Jésus dans Jean chapitre 13, verset 15, il nous dit que c'est à ceci tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Au verset 35 de Jean chapitre 13. Il dit à ceci tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Les chrétiens sont plus aguerris. A dit ma soeur, je t'aime au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous voyez, je viens de lui dire, je l'aime. Elle a dit amen. Voilà notre rhétorique. Ce que nous savons faire au milieu chrétien aujourd'hui. Mais si elle a faim, soif, et elle a besoin d'un matériel, ce que je lui dis encore, c'est que non, ma soeur, que Dieu te fortifie. Voilà le milieu chrétien d'aujourd'hui. Voici le milieu chrétien. Ça, c'est une mauvaise habitude. De quoi, papa? Quand tu vois quelqu'un, il est là en souffrance, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit cette fois-ci. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, les versets 17 à 22, la Bible nous déclare, si quelqu'un voit son frère, c'est quelqu'un qui possède les biens de ce monde, et qu'il voit son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles. Il dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il dit, mes petits enfants, ne mettez pas en parole, mais avec action. Action, ça veut dire quoi? Qu'on agisse avec action et vérité. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans la pratique. La Bible déclare que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il disait seulement que... vous dans le monde là, je vous aime, hein, et on est dans le péché. La solution, il y a la solution. Non. Donc, quand il a aimé, il a prouvé cela. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, quand il nous aime, il vient faire en sorte que le problème soit résolu. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22, comme je viens de citer, il dit, petits enfants, n'aimez point pas seulement en parole, mais avec action et vérité. Puis il dit, pourquoi on ne dit pas c'est les paraboles? Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde-ci, vous voyez que là-bas, il n'y a pas de parabole, non? Si quelqu'un possède les biens, notez Luc chapitre 6. Notez Luc chapitre 6, parce que vous en avez noté, pour que j'avance, parce que sinon, je ne veux pas m'en sortir. Quand je suis en train de faire les versets défilent devant moi, regarde, il faut que je dise ça à chaque fois. Alors, il dit, si quelqu'un possède, j'ai dit, notez, elle, celle-ci en train d'ouvrir. Tout à l'heure, nous sommes dans Isaïe 5, on n'a pas encore fini, parce qu'on n'a même pas encore touché là où je suis en train d'aller. Alors, il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde-ci, ça veut dire que vous avez les biens matériels. Et vous voyez votre frère dans le besoin. Ce n'est pas normal, par exemple, que parmi vous ici, quelqu'un soit en train de souffrir. Et que parmi vous, quelqu'un a trois terrains. Au milieu chrétien, ce n'est pas normal. Mais si on ne vous dit pas ça, ce n'est pas normal. Parce que la Bible nous enseigne, Actes des apôtres, que ceux qui possédaient des terres vendaient, venaient donner les choses aux apôtres. Et on faisait la distribution selon le besoin de chacun. Ce n'est pas normal que vous soyez ici au milieu, par exemple, les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont là, veulent faire le concours. D'autres n'ont pas de pension. Et que vous vous réunissez, vous dites, oh Seigneur, nous te bénissons. Vous dites que Seigneur, pourvoie pour la pension. Que l'argent sorte du ciel, ça tombe sur elle. Mm-hmm. Vous priez comme ça, vous fermez les yeux, l'argent tombe, pam, vous allez prendre. Vous allez prendre. Alors, Dieu bénit au travers de ceux qui bénissent. D'accord? Dieu nous donne afin que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. D'accord? Et remarquez très attentivement dans le livre de Proverbes chapitre 11, il dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quel qui donne libéralement devient plus riche. Mais celui qui amasse en excès devient plus pauvre. Donc, quand vous faites votre argent, vous gardez encore en banque. Vous dites, non, il faut que j'ai fait, je dois être millionnaire. J'ai 4 millions. Entre temps, Dieu envoie une veuve vers toi. Tu connais une veuve. Tu rêves même de. Tu chasses la pensée de cette veuve. Tu dis, chasse ça au nom de Jésus. C'est une sorcière même. Elle a tué son mari. Attends, Dieu t'attend au tournant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait, on ferme seulement Cosimex. Ou comment vous avez fait connexe. On ferme ça. On ferme ton argent. Tu peux t'aligner là-bas 4 fois, 5 fois. On te décourage. Tu comprends que l'argent, il fallait distribuer. Il y a des sources. Il y a la banque de Dieu principalement. La banque de Dieu principalement, ce sont les pauvres. Les orphelins, les veuves. Voilà là où Dieu veut qu'on garde l'argent. Amen. Amen. Vous comprenez cela, hein? Ok. Alors, voici donc les secrets donc, pour les bénédictions de Dieu. Secret pour les bénédictions de Dieu, je ne veux pas dire que tu achètes le livre des pasteurs, il plus toi, il met lui sur toi. Non. La Bible, pour ce qui concerne la Bible, c'est les pauvres. Parce que la Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qu'il le lui rendra. Dieu a promis que tu donnes aux pauvres, ça va te retourner. Amen. Et il ne retourne pas comme ça. Parce qu'à la banque, on met l'argent, on prend avec intérêt. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, Dieu se cache derrière le pauvre pour t'attendre la main. Donc, quand vous voyez un pauvre, en réalité, quand vous donnez l'argent à un pauvre, vous devez prier Dieu même et le remercier que le pauvre prend. Donc, les pauvres sont vos banques. Quand tu vois quelqu'un dire, hey, pauvre, tu dis, ah, le frère là dérange. Vous faites cela, ne donnez pas. Parce que vous donnez là, vous amenez plutôt la malédiction sur vous. Je vais bien être clair, je veux toute votre attention maintenant. Vous me suivez?
je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Ce besoin, c'est que cette personne-ci a. Je dois regarder ça comme un devoir, pas comme une aide pour lui. Parce que quand je donne, c'est mon avenir que je suis en train d'arranger. Amen. Vous aimez les psaumes, non? Vous aimez les psaumes? On va lire un psaume, non? Un seulement. Mettez le doigt dans ce Ésaïe 58, là vous ouvrez le psaume. On va y revenir là maintenant. Il y a une méchanceté au milieu chrétien. C'est mon frère, que Dieu te bénisse. C'est ça, la méchanceté. Sans que ça ne soit d'un cœur d'amour. Quelqu'un vient te dire, ma soeur, j'ai faim. Tu dis, oh ma soeur, que Dieu t'aide. Que Dieu l'aide en faisant comment? En lui donnant à manger. Donc Dieu lui donne la nourriture. Entre temps, tu as ta part, tu dis, non, j'ai un seul plat de nourriture à la maison là, ça ne doit même suffire pour moi et les enfants. Ça, c'est la parole de foi des gens de la Bible, ça. Nous sommes arrêtés là-bas où il a dit que partage ton pain avec celui qui a faim. Remarquez bien ce que la Bible déclare dans ce livre des Ésaïe 58 que nous avons lu. Partage ton avec celui qui a faim. Ça veut dire si quelqu'un a faim, toi, ne mange pas seul. Vous suivez, n'est-ce pas? Il y a des sources de bénédictions. Dans, je vais vous montrer maintenant le psaume qu'on va lire. Vous allez voir et puis je vais vous dire quelque chose. Maintenant, et ce qu'on on va lire dans ce psaume-ci se trouve également dans le livre Ésaïe chapitre 58 parce qu'on va y revenir. Psaume 41. Psaume 41. Vous allez le psaume, non? Vous êtes seulement les gens de psaume qu'on dit seulement que Seigneur bombarde mes ennemis. Bon, quand vous arrivez sur la carte, vous traversez rapidement. On va rester sur ça maintenant. Psaume 41. L'église a besoin des enseignements. L'église a besoin des enseignements. Il faut qu'on revienne au fondamental où on commence à marcher comme Dieu veut. Parce que sans Dieu, parce que souvenez-vous, il a dit que seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Comment vous pensez qu'on peut sauter sur les enseignements? Quand Jésus allait au ciel, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, le ministère de l'enseignement, c'est les piliers dans la foi. Enfin, sans enseignement, tout le monde va aller à la noyade. Parce que Dieu n'a pas laissé le corps de Christ pour que chacun fasse comme il veut. Il y a des règles, il y a des choses qu'il a instituées, qu'on doit faire, qu'on doit pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, en tout cas, vous allez sécher comme les arbres qui n'ont pas de source d'eau. Chapitre 41 de Psaume, versets 1, 2 et 3, mon cher, tu peux lire. Versets 1, 2, 3 du chapitre 41. Oui. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Mon frère, tu es dans le livre de Job. Je dis, il dit que Psaume. Ouais, chaque fois, je vous donne un passage. Je passe le temps de parler. Le temps que je passe, c'est pour que vous vous retrouviez. Je finis de parler, je viens, il est dans Job. C'est bon. Heureux celui qui s'intéresse au... Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Le faible. Lisons dans la version ici. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Voilà, j'aime ça. Encore. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Heureux, encore, par ici de quoi? Cette personne est comment? C'est heureux celui qui pense aux pauvres. La Bible dit, quand tu t'intéresses déjà aux pauvres, tu es heureux. Vous aimez le psaume, non? Ça, c'est le psaume. Il ne sait pas la catégorie, je bombarde mes ennemis. Ici, maintenant, c'est qui est traite, celui qui souffre. Heureux celui qui... Et il y a une conséquence, c'est Dieu qui en a dit. Il y a une conséquence. Quand tu t'intéresses déjà aux pauvres, quand tu t'intéresses, c'est-à-dire quand tu prends à cœur les choses, tu prends à cœur ce qu'ils vivent. À cet instant-là, tu es heureux. Parce qu'arrêter sur le chemin pour pouvoir corriger ta vie future et les choses qui pourront t'arriver. Le verset suivant dit quoi? Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Le délivre. Aha. Donc vous voyez effectivement que votre non-exaucement de la prière dès maintenant peut être la conséquence du fait que vous avez négligé un pauvre. Ces choses, on doit vous enseigner cela. On doit vous enseigner. Sinon, si je ne vous dis pas la vérité, je ne vous aime pas. Le plus grave, c'est que, remarquez très attentivement que tout ce que je vous dis ici, je vous montre dans les scènes, les Écritures. Et c'est dans votre Bible. C'est pour ça que je viens ici chez vous sans Bible. Pourquoi vous ne dites pas que c'est dans ma version qu'on a écrite? Encore que même c'est ma version, c'est pas moi qui l'ai écrite. Donc, c'est pour ça que je fais l'effort pour que vous lisiez. Pour que chaque fois que vous allez aller dans la Bible maintenant, vous y allez en sachant ce qui est écrit dans votre Bible. C'est pour ça que je vous demande de souligner, encadrer. Regardez ici, pliez la page ici. Alors, il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il dit, au jour du malheur, le Seigneur le délivre. Donc, Dieu va faire telle chose parce que tu as fait telle chose pour le pauvre. Remarquez que, il n'est pas dit, heureux ceux qui s'intéressent au pasteur. Vous avez vu ça là-bas? Il a dit, heureux celui qui donne à boire au pasteur. Non. Celui qui construise les terrains, achète la voiture au ministre du culte. À qui? Aux pauvres. Parce que Dieu a les regards sur eux. Quand le Seigneur était sur la terre, si vous lisez dans votre livre des Jean au chapitre 12, la Bible déclare Jésus était dans la maison de quelqu'un là-bas. Il y a la femme qui est venue verser son parfum là-bas.
et un de ses cheveux avec ses pleurs, ainsi de suite. Et puis, les éditions ont commencé à dire, on devait vendre ces parfums-ci à 400 ans, et puis on devait distribuer cela aux pauvres. Il dit, non. Vous aurez toujours le pauvre parmi. Quand vous allez là-bas, prenez soin d'eux. Pour le moment, là, laissez-moi jouer au moins, parce que je suis du passage, mes gars. Laissez-moi aussi au moins jouer. Donc, il dit que vous aurez toujours le pauvre parmi vous. La pauvreté ne peut pas être éradiquée dans ces royaumes. Dans le royaume de la terre, ça ne peut pas. Quand vous entendez que la lutte contre la pauvreté, il faut qu'on éradique la pauvreté à 2050. C'est des tentatives de lutter contre Dieu. Parce que Jésus a dit qu'ils seront toujours parmi nous. Même ceux qui disent qu'éradiquer la pauvreté, ce sont des hypocrites. Parce qu'ils font seulement les colloques pour pouvoir s'aligner là-bas, pour qu'on voit qu'ils sont luttés. Ils donnent le journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Sur le plan actionnaire, ils ne font rien de concret. Vous comprenez cela? Ce sont des gens qui vont venir dans votre quartier. Vous regardez, vous avez été là pour longtemps parce que vous n'avez pas été foncé. Ils achètent tous vos domaines, ils vous cassent. Ils amènent, vous allez au tribunal, ils payent le jeu, on vous met en prison. Après, ce sont eux qui sont devant la télévision pour dire que l'on lutte contre la pauvreté. Des méchants et des hypocrites. Donc, ne vous confiez pas aux hommes de ce monde-ci. Alors, donc, maintenant, vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, nous devons comprendre ce que Dieu pense. Quelle est la pensée de Dieu? Ça veut dire que quand nous voyons quelqu'un qui est pauvre, au sens matériel du terme, donc pourquoi vous ne comprenez pas que non, c'est pauvre en esprit. Ici, il s'agit du matériel. Alors, au sens matériel du terme, quand quelqu'un est pauvre, en tant que chrétien, c'est un devoir. C'est un devoir. Pas un devoir parce que tu dois aider le peuple, un devoir parce que ta vie futuriste et tes agissements, ou mieux encore, tes choses physiques et spirituel plus tard et des bénédictions en dépendent. C'est pour cela que je vous dis, si vous lisez le livre de Romains, j'ai le temps, si vous n'avez pas le temps, on va y arriver. Si vous lisez le livre de Romains, l'apôtre Paul, quand il a dit qu'on donne les collectes pour qu'il part à Jérusalem, il demande qu'on prie pour que les collectes soient acceptées à Jérusalem. Vous comprenez cela? Pour que les saints de Jérusalem acceptent la collecte. Parce que s'ils refusent, c'est une malédiction. Et s'ils prennent, c'est une bénédiction pour ceux qui ont donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, les gens à qui on entend aller comme ça, ce sont les gens qui étaient dans la pauvreté. Donc, quelqu'un, vous pouvez, si vous donnez quelque chose à quelqu'un pour le mépriser, il refuse, c'est encore bien pour vous. Parce qu'il prend ça, vous avez mis le charbon sur vous. Ne donnez pas quelque chose à quelqu'un avec mépris. Souvenez-vous, Dieu regarde l'état du cœur. Dieu regarde l'état du cœur. Dans le livre de Luc, chapitre 19, 18, il y a des gens qui ont jeté dans le tronc. Vous comprenez cela, jeté dans le tronc. D'autres ont donné des trucs, d'autres ont donné. Jésus était là, il observait la façon dont on donnait. Il y a une femme qui avait mis seulement deux pièces. Il a dit à ses disciples, en réalité, ouais, quand Jésus fait ces choses-ci, il veut montrer la compréhension de Dieu dans des actions. Il dit, cette femme s'est donné plus que tout le monde. Il dit, hein? Mais telle personne-là a donné le million. Telle autre personne a donné. Il dit qu'ils ont donné de l'air superflu. Parce qu'eux, ils donnent comme ça, ils ont toujours quelque chose en banque. Cette femme s'est donné, c'est pourquoi il réside. Par exemple, à chez elle, quand elle a donné là, il n'y avait plus rien à la maison. L'ascension de Jésus, il dit à ses disciples, il ne dit pas ce qui se passe là-bas, ni à ceux-là. Il dit, cette femme-ci a donné plus que tous ceux-là. L'homme va regarder que, waouh, si c'était au milieu de nous, on va honorer la personne qui a donné les millions. Sans, comme on a vu ici la dernière fois, lui donner la place d'ancien une fois. Quand il va venir chaque fois, c'est le pasteur lui-même qui va se lever pour aller l'accueillir. Mais la maman là va dire que la femme se dérange. Elle ne peut pas aller à mourir. La femme, si elle vient, elle ne peut que déranger les gens ici. Si c'est les églises où il y a la télévision, pour la ranger, on va la ranger loin au fond. Pour qu'on ne voit pas qu'elle est vieille maman à l'église. Les femmes brunes comme celle-là, on les met devant, on met les caméras souvent sur eux, sur leurs faux cheveux. On zoome comme ça là, sur les faux ongles. Que Dieu nous bénisse. N'est-ce pas? Amen. Alors il dit, heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Il dit, au jour du malheur, le Seigneur quoi? Le délivre. Donc Dieu le délivre pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons, c'est pas fini. L'Éternel le garde, oui, et lui conserve la vie. Donc Dieu peut vous conserver la vie tout simplement parce que vous êtes souvenu d'un pauvre. Parce qu'en réalité, quand vous donnez au pauvre, vous donnez de la bonne façon. Le pauvre vous dit, oh, le pauvre ne peut rien te donner. Et donc, c'est pour ça que Jésus, dans Luc chapitre 6, qui vous a demandé de noter, il dit donner sans rien en retard, quoi, en attendant en retour. Quand vous voyez, vous faites vos invitations, vous invitez votre tante qui est comme on fait dans les familles. Vous voyez? Notez Jacques chapitre 2. Jacques, le chapitre 2. Jacques chapitre 2. Quand vous faites vos anniversaires, ou d'abord, remarquez bien, les faire part. On cherche dans la famille ou bien les relations, ceux qui ont de l'argent. Quand on a fait une réunion familiale, on appelle telle personne, on dit que il est en train de réveiller. Quand on parle de celui-là, vous mentionnez encore son nom. Disons, laisse-le, disons. On cherche qui? Les riches. Le bobo. Le bobo, comment vous dites là? Quand la réunion est d'abord bien là, il menace de ne pas venir pour attirer l'attention sur lui. Quand tout le monde est là, c'est là il entre maintenant. Vous allez parler fort? Non. Là, celui qui a l'argent, il parle fort. Vous finissez de parler n'importe quoi, parle comment? Pour te faciliter la tête, on te dit que toi, élève un truc à la prière. En tout cas, quand tu dis élève la prière pour l'assemblée, c'est pour se moquer que prie ta part de Dieu là. C'est tout ce que tu peux donner là-bas. Quand tu finis, il a dit ok, cache. C'est pour ça que les gens, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. On ne peut pas enterrer parce qu'on attend un tel.
Tu dis que non, non, en péril. La Bible déclare, on dit que ferme ta bouche. La Bible déclare, Si on demande de creuser la tombe, on paye, tu vas payer. Tu fermes ta, tu fermes ta bouche parce qu'il n'y a pas l'argent. Méprisé. Alors, donc, dans ce livre de Jacques, chapitre 2, la Bible en parle. Vous notez à partir du verset 14. On va citer cela. Alors, Jésus, notre Seigneur, veut nous faire comprendre dans les saintes écritures qu'il s'intéresse aux pauvres. Dans Matthieu, chapitre 5, il dit errez les pauvres, errez vous qui êtes pauvres, errez les affligés. Vous voyez là, n'est-ce pas? Errez les débonnaires, car ils hériteront les cieux. D'accord, mes frères? Alors, maintenant, quand on s'intéresse aux pauvres, la Bible déclare que Dieu leur conserve la vie. Parce que le pauvre, quand tu lui donnes quelque chose, il ne s'attend pas. Ça change son avenir. Et puis, il est comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il peut donner au type-ci? Ah, il dit, je ne peux rien donner de bon. Il n'y a rien à donner. Qu'est-ce qu'il va faire? La seule chose qu'il peut faire pour toi, c'est prier. C'est la plus grande chose qu'il puisse faire là-bas. Quand il prie, il demande Dieu, puisqu'il est agent comptable avec Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui est la banque de Dieu. C'est pas ça, frère? Alors il dit au Seigneur, je n'ai rien à te donner à ce jour-ci. Continue à le bénir. Protège-le pour qu'il ait une longue vie. Voilà les actions de grâce qu'il va donner à ton encore. Les actions de grâce. Ne permets pas. Un jour, vois, les bandits viennent, ils volent partout, ils ne te touchent pas. Tu dis, hey, c'est quoi? En toile de fond, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le spirituel. Mais ce sont ces choses qui t'ont ouvert la porte. Donc ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas. Or, voyez les orphelins comme un devoir pour vous en tant que chrétien de vous en occuper. Il n'est pas question ici de regarder non, son orphelin, son père, c'est une conséquence de parce que ta maman était bordée, elle est morte dessus d'ici là. C'est pas cela. C'est la raison pour laquelle vous devez encore manifester la miséricorde. D'accord? Ah, sa maman était sorcière, son papa était comme ça. On disait qu'il vient à l'église, il vient par ses conséquences. La Bible déclare dans le livre de Job, au chapitre 14, que même ceux qui désobéissent à Dieu ont besoin de la compassion de leur ami. Même s'ils quittent la voie du Tout-Puissant, ils ont besoin de l'accord, de la compassion. Enfin, ils ont même plus besoin de la compassion parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenez-vous de notre Seigneur qui était à la croix pendant qu'on le crucifiait. Les gens qui passaient en bas disaient il a sauvé les gens, qui se sauve lui-même. Il ne comprend même pas qu'il n'est pas venu pour lui, il est venu pour eux qui sont en train de parler. C'est pas ça, frère. Jésus était à la croix pour ceux-là qui étaient en bas, pas vrai? Et ils sont en bas, ils sont en train de regarder que, ok, quitte à la croix, alors sort dans la main, on va croire en toi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors, ils ne comprenaient pas. Et Jésus, puisque Jésus savait qu'ils ne comprenaient pas, est-ce qu'il devait leur imputer cela? Il a dit, Père, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toute personne qui est à côté de vous, notez Galates chapitre 6, verset 9 et 10. Galates chapitre 6, verset 9 et 10. Toute personne, notez. Toute personne qui est à côté de vous, qui a besoin de votre assistance, vous devrez, c'est un devoir, vous devrez prouver votre amour. Très souvent, nous sortons, nous allons prêcher, vous voyez, quelqu'un sort avec la Bible, va regarder une maman quelque part qui a ramassé le bois. C'est quand même pathétique en milieu chrétien. Galates chapitre 6, il n'y a pas de Galates 9. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Cette train-là, c'est chaque jour qu'on vient prêcher, ce qui passe ici. Hein? Tic-tac. Alors, souvenez-vous de ceci. Quelqu'un quitte avec sa Bible et pas prêcher. Vous arrivez chez une maman. La maman, vous voyez, la maman a du mal à aller puiser de l'eau. Déposez la Bible et manifestez l'amour. Si à la maison qui est sale, prenez le balai balayé, arrangé. Ah, vous venez trouver, elle va préparer sa nourriture. La maman a peut-être le diabète. Vous ne pouvez même pas prier pour que le diabète s'arrête. Dis, maman, laisse ça, tu viens suivre l'écriture. Ne faites pas cela. S'il y a du bois à fendre, fendez le bois. Ce que vous allez faire en action va plus prêcher que ce que vous allez bavarder. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Si vous faites seulement ça, vous partez. Il faut qu'on, quand on va vous demander, ils vont demander quoi à maman, mais la maman va se renseigner en disant que, qui est ce garçon là, qui est cette femme. On dit non, ce sont les chrétiens. On dit ah, c'est chrétien, oui, je comprends maintenant. Votre témoignage sera rendu visible par vos actions d'abord, avant votre parole. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Parce que quittez, si vous discutez, ce que la suite là, maman, si je ne veux pas souvent aller en enfer, c'est pas comme ça. Après, on va prendre la matière. On dit qu'on vous persécute parce que vous ne connaissez pas la manifestation de l'amour. Regardez Jésus chez Siméon. Regardez Jésus avec la femme qui, dans Jean chapitre 8, qu'on a accusé d'adultère. Calmement. Si parmi vous, personne n'a péché, jetez la première pierre. Ils ont jeté. Quand tous sont partis, ils savaient la femme. Est-ce qu'il a accusé? Non. Femme, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Non. Ils ne m'ont pas condamné. Moi aussi, ils te condamnent. Va et ne pêche plus. La miséricorde. Mais très souvent, nous plaignons même la place des dieux. Nous condamnons les gens plus que Dieu. Peut-être Dieu a d'ajuster la personne pour l'acte qu'il a commis. Chaque fois, on remet ça sur la scène. Tu connais tes frères, comme une fréquentation. Tu connais la sphère là. Elle avait avorté. Elle avait avorté. C'est ici, 2 heures après, elle a demandé pardon à Dieu. Et c'est ici, en citant ce que tu as dit là, tu as des péchés contre toi-même avec Dieu. Parce que si Dieu lui a dit, c'est là dit. Parce que la Bible déclare, si tu dis, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, avec un acte que tu viens de faire là, il t'a pardonné. 2 pas après, tu n'es plus la même personne qui vient de commettre cet acte là.
Vous entendez ça, frère? Et toi, en tant que chrétien, tu en es relayé ça chaque jour au milieu chrétien. La sœur là, elle avait divorcé son mari. La sœur là, elle avait avorté. Elle avait avorté. Qu'est-ce que Dieu a dit de son acte depuis? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, très souvent, nous prenons les places de Dieu pour juger et condamner les gens sans savoir qu'est-ce que Dieu dit. Alors qu'on devait plutôt couvrir les péchés des gens. Quand quelqu'un a péché, on ne doit pas l'exposer. On couvre la personne. On fortifie la personne. Parce que la Bible déclare que celui qui est debout prend garde de tomber. Alors, ça veut dire qu'on doit couvrir les gens. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui prie. Et Dieu accordera la repentance à ses frères, dit la Bible. La Bible ne dit pas que si quelqu'un voit son frère qui pêche, il va publier. Il n'y a pas ça dans la Bible. On doit prier parce que c'est une faiblesse ou bien une ouverture a été faite et Satan a eu raison de lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger le mur, protéger le frère. Parce que s'il souffre, tout le corps souffre pour autant. S'il est scandalisé, s'il scandalise le corps, quand tu vas dire tu es chrétien, on va, le même scandale est sur toi. Vous attendez? Psaume 41 n'est pas terminé. Continuons. Il est heureux. Il est heureux sur la terre. Vous comprenez cela? Tout simplement à cause de quoi? Ça a commencé par quoi? Le simple fait qu'il s'intéresse aux pauvres. Continuons. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Et ses ennemis. Donc, vous avez des voisinages, vous avez des gens dans la famille qui sont dans la sorcellerie. On dit, tel est dans la sorcellerie, alors on se blinde. Dieu dit qu'il y a une façon de se blinder. Vous vous blindez contre eux, donne aux pauvres. Vous voyez que c'est que la lame de la zone n'a pas déchiré votre peau, non? C'est que le marabout ne veut pas manger vos chèvres. Il dit que la seule façon de se blinder, la façon de se blinder contre tes ennemis, c'est de donner aux pauvres. Vous voyez comment ça prend en contre-pied toutes nos façons de penser, n'est-ce pas? Amen. Ah non, je vais aller dans la chambre. J'impose les mains au mur, j'invoque le sang de Jésus. Pendant que tu as invoqué, comme ça, l'esprit couché sur le lit t'attend. Tu finis de fermer tout l'entourage. Vous êtes ensemble là-bas. La nuit, frère, on m'a appuyé le cou, je ne respirais pas. Mais tu as mis le sang partout, non? Donc, après que tu as mis le sang, ils sont passés. Donc, ce n'est pas le sang qu'il faut mettre. Il faut vivre pratiquement la parole. Amen. Parce que Dieu donne ce que nous avons à faire. Et puis, il dit ce que lui, il doit faire. Il dit qu'il ne doit pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. Donc, si tes ennemis vont faire n'importe quoi, Dieu dit, je ne permets pas. Parce que c'est mon serviteur, il fait ma volonté. Amen. Vous suivez ça? Amen. Tout simplement parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Maintenant, si, comme la sœur nous le dit, elle partait plutôt chez le pasteur pour aller donner, pour aller encore les pasteurs cupides, pour aller construire le royaume de Satan, les choses de Satan, elle va faire comme ça dans sa tête, elle a dit que non, elle a donné au pasteur. Elle rentre, les oppresseurs sont encore là. Si vous voulez que votre commerce fructifie, épargnez chez les orphelins, épargnez chez les veuves, donnez chez les nécessiteux. Voilà la source, voilà le moyen. Voyez les étrangers qui sont dans votre pays, accueillez-les, donnez-les de quoi manger, achetez le riz, donnez-les. Donnez les accommodations, donnez les de la nourriture, donnez aux veuves, habillez les orphelins. Prenez des orphelins sous votre responsabilité. Voyez un orphelin qui ne fréquente pas. Inscrivez à l'école, vous dites, vous donnez des déterminations. Même si vous n'avez pas l'argent, vous dites, je vais payer la pension de cet enfant jusqu'à la fin. Seigneur, donne-moi le moyen. Il va vous donner le moyen, vous allez le faire, vous accomplissez. Vous accomplissez comme ça quelqu'un qui n'avait plus de destinée, qui ne comptait plus ses rien, vous lui donnez un brillant avenir. Amen. Dieu nous appelle. Il dit, il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Si Dieu dit qu'il est le défenseur de veuves, ça veut dire que si quelqu'un tente une veuve, il a été tenté qui? Faisons attention, frère. Faisons attention. Faisons attention. Donc, la cause des veuves. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 27, la Bible déclare que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ah, tu es quoi? Je suis de quelle église? Je suis réveillé. Tu es réveillé vraiment? Celle-là est en train de dormir même. Même dans l'église, elle dort. Il dit, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste, donc si vous voulez vivre vrai comme Dieu veut, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Dieu n'a pas dit d'aller construire les orphelins. Ce n'est pas ça dont il est question. Ça, c'est une autre branche de l'église catholique. Ce n'est pas ça dont il est question. Les œuvres philanthropiques, là, ce n'est pas de cette façon que Dieu a fait. L'Église a sa façon d'agir. Il n'y a pas le verset qui dit qu'aller construire les écoles. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas le verset qui va dire qu'il va construire les orphelinats. Donc, si vous avez ces inspirations-là, commencez à vous arranger. Ce n'est pas biblique. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. C'est l'Église catholique qui a amené ça. Donc, c'est que vous avez fait ça sous l'inspiration de l'Église catholique. Mais il dit, écoutez encore une fois de plus, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir. Donc si vous faites la différence entre vous les chrétiens et ceux qui sont du monde qui font les bonnes œuvres les 24 décembre là et les 1er janvier, quand on parle là-bas, ils ne préparent pas, ils mangent avec les pauvres, on appelle Canal 2, ils viennent filmer pour montrer aux gens, ils ont leur gain.
ils ont leur bien parce qu'on le voit. Parce que vous dites, ah, je suis un champion du monde en ballon, je suis le plus riche du monde, j'ai conçu tel orphelinat. Tu conçus les orphelinats parce que tu veux te faire voir. Parce que de l'autre côté, tu ne t'abstiens pas de souillure du monde. Pendant que tu ouvres les orphelinats ici, tu passes le temps à enceinter les filles ici en laissant les orphelins. Tu dis que le fils, que tu n'es pas le père d'enfant. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, alors avec Dieu, ce n'est pas plus un moins un. Enfin, même si vous faites plus un moins un, ça donne quoi? Zéro. Plus un moins un, ça fait zéro. Donc Dieu dit, vous abstenez des de souillures du monde, vous vous souvenez des orphelins et de, vous les visitez dans leur affliction. C'est la prescription pour le Nouveau Testament, ça. Vous me suivez? Allons-y. Au verset 4. Sur ton lit de douleur. Et continue. Tu le soulages dans toutes ces maladies. Dans toutes ces maladies. Donc, beaucoup de personnes ont des maladies sur eux. Ils n'ont pas encore été guéris parce que. Parce que quoi, mes soeurs et frères? Parce qu'ils ne s'intéressent pas aux pauvres. Vous allez crier n'importe quel que vous allez crier. En tout cas, on va revoir ça dans le livre d'Isaïe tout à l'heure. C'est les prophètes qui parlent. Ils savent de quoi il est question. Il dit, dans ton lit de malade, Dieu te soutient. Dieu te soutient. Ah, quand Dieu voit cela, sa banque, il part dans sa banque. Il voit que le pauvre avec qui tu as donné l'argent avait dit que Seigneur, donne-lui longue vie. Pour qu'il continue à nourrir. Parce que si tu le coupes maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ouais, ça n'est pas. Donc c'est un style de vie. Et donc là, Dieu lui accorde longue vie pour qu'il s'élève, pour continuer à nourrir les pauvres. Parce que si Dieu le coupe, parce qu'il y a un pauvre qui va souffrir, voilà, des pauvres qui vont souffrir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Rentrons dans Esaïe 58. Que Dieu vous bénisse si vous le mettez en pratique. Amen. Faites-en donc bon usage. Et je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas fermer Esaïe 58. On faisait seulement un crochet dans le livre du psaume. Esaïe 58, il avait dit tout à l'heure là quoi? Nous allons commencer au verset 6. Il dit que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donne-nous le Seigneur de la maison, c'était ainsi de suite. Il dit, et partage. Au verset 7, nous sommes au verset 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a. Oui, continue, ça va commencer maintenant. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Écoutez bien, ça, c'est la Bible ou bien vous ne pratiquez pas du tout. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Continuons. Vous avez vu, on partage ta nourriture, n'est-ce pas? Accueille des gens chez toi qui n'ont pas de toi. Continuons. Si tu vois un homme nu, oui, couvre-le. Tu entends ça, maman? Oui, papa. Voilà. Continue. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Donc, ne vois pas quelqu'un qui souffre. Tu sais, tourner tes yeux comme tu n'as pas vu. Dieu t'a montré et tu as vu. Et toi, tu sais que tu as vu, tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu. Vous comprenez? Pendant que je suis en train de parler, vous pouvez voir dans votre entourage les gens qui s'ouvrent. Le Saint-Esprit vous illumine que telle personne. Quand vous quittez, prenez les responsabilités. Amen. Vous allez voir comment votre avenir va être. Amen. Continuez, mon cher, ce n'est pas fini. Alors, regardez bien. Voici ce qui se passe. Il dit, au verset 7, il a commencé par dire, voici le jeune auquel il prend plaisir. Il dit, chasse ceci de toi. Et puis fais ceci. Verset 8 maintenant, il dit, alors, voici la conséquence maintenant. Donc, ce qui va advenir quand tu vas pratiquer cela. D'accord? Alors ta lumière poindra comme l'aurore, dit les Saintes Écritures. Ta lumière poindra comme l'aurore. Oui? Et ta guérison germera promptement, dit les Saintes Écritures. Donc, vous voulez être guéri? Si vous avez guéri, oh, ça fait longtemps, on a prié pour moi, on a prié pour toi. Ce n'est pas la quantité de prières, c'est la mise en pratique de la parole. Amen. Vous avez vu cela? Il dit, tu as des problèmes de guérison. Il dit, ça va venir automatiquement. Parce qu'il faut que Dieu te donne les forces pour que tu sois plus de l'effet aux gens. Vous voyez? Il dit, ta guérison germera promptement. Continuons. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire que quand ça marche devant toi, ça veut dire partout où il y a l'injustice, la justice ouvre les portes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Continuons. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous remarquez que la gloire de l'Éternel dont on parle, ce n'a rien à voir avec le monde, c'est qu'on vit maintenant. Quand tu as la voiture, tu marches, on ouvre la porte comme ça avant que tu entres. Quand le pasteur vient, tout le monde fait ouh. On dit que tu vois, il y a la gloire de Dieu dans l'homme. Ça, c'est vraiment l'homme de Dieu. Vous parlez. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Là, ça, c'est la gloire du monde, ça. Parce que c'est au président qu'on fait ça. Si le pasteur, on fait ça, on dit que c'est la gloire de Dieu. Alors, le président, ils ont quoi? La gloire de qui? Vous suivez, n'est-ce pas? Il dit ta gloire. Continuons, mon cher. Alors, tu t'appelleras. Non. Alors tu appelleras et l'Éternel dira quoi? L'Éternel répondra. Vous avez chanté appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Oh. Attends, laissez d'abord Jésus, le roi des rois. Écoutez, laissez-moi chanter. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Oh.
Si tu as des problèmes, appelle, il te répondra. Appelle. Et moi, je dis, si le pauvre appelle, tu réponds. Si le pauvre appelle, tu réponds. Si le pauvre a des problèmes, alors si appelle, tu dois répondre. Appelle-le. Appelle. Donc, vous voyez que, parce que la Bible déclare, dans le livre des Proverbes, que celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et Dieu ne l'écoutera pas. C'est une cause à effet. Donc ça veut dire que si tu fermes le cri, le pauvre crie, tu fermes les oreilles, tu ne fais pas compris. Sache que celui qui sonde les cœurs et les reins connaît. Tu vas aller là-bas prier. C'est pour ça que beaucoup de personnes, donc c'est ce qu'on a dit, beaucoup de personnes ont des prières non exaucées. Beaucoup de personnes sont toujours oppressées, mais en milieu chrétien. Tu poses la question, ça fait 22 ans que tu es dans la foi, mais il y a un démon qui le poursuit toujours. Un démon qui le pousse toujours. Pourtant, Dieu dit, fais ces choses, les petits comme ça, les béaba, les saintes écritures. Il ne met pas en pratique. Mais il dit que non, toutes les nuits, je me lève, je prie. Tu pries qui? Celui qui a dit, intéresse-toi au pauvre. Mais il a dit que quand tu vas appeler, tu vas faire ceci, tu vas appeler, je vais répondre. C'est normal donc que tu pries depuis 20 ans pour chasser un démon. Le démon ne parle pas parce que tu appelles, il ne répond. Il ne répond pas. C'est pas en chantant que tu vas te lever à midi, appelle, il te répond. Si tu veux, tu pleures. Il a fait quelque chose pour que. Quand tu pleures, ça ne finit pas. Ou est-ce que l'eau habite dans ton corps? Non. Pleure comme tu veux, ça sera toujours là. Quand tu vas pleurer, tu vas te calmer. La Bible, tu vas ouvrir Ésaïe, quoi, Ésaïe 58, ça va te dire la même chose. Il n'y a pas un endroit là-bas que tu pleures pour que c'est pour qu'il guérisse. Non, 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 non. Là-bas, il a dit, mets en pratique, la guérison germera. Donc après, ça va pleurer. Tu vas te calmer, tu vas regarder aux pauvres. Amen. Il a fait l'été enceinte que l'eau qui sort là ne soit pas le sang. Pour que tu vas pleurer, tes yeux vont gonfler. Tu vas aller dans le miroir, tu vas dire que non, j'ai intérêt à ne pas pleurer. Pointe quelqu'un dit, mets la parole en pratique. Mets la parole en pratique. Pointe quelqu'un dit, mets la parole en pratique. Mets la parole en pratique. Et ne te borne pas à l'écouter seulement. Ne te borne pas à l'écouter seulement. En te trompant pas de faux raisonnements. En te trompant pas de faux raisonnements. Lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous, dites-vous tout simplement qu'en tant que chrétien, je suis la solution pour cette personne. Amen. Si une personne doit vivre dans les dérives, je dois vivre en conformité pour pouvoir corriger cette personne. Cette personne se manque de quelque chose. Toi, tu travailles. Souvenez-vous de ceci. Remarquez très attentivement que le Seigneur a fait l'éternel enceinte que ça soit parfait dans les Saintes Écritures. Il n'a pas dit si quelqu'un touche 200 000, il faut que ton soleil soit grand pour donner. C'est ce qui est merveilleux dans cette histoire. Il n'a pas dit que si tu touches 150 000, tu donnes 25 000 à quelqu'un. Non, 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 il n'a pas dit ça nulle part. Ça veut dire, Dieu s'attend à ce que tu donnes selon ta prospérité. Amen. C'est-à-dire, si tu dis que tu n'as rien à donner, ça veut dire que forcément tu n'as rien. Oh, nous savons que toi tu as quelque chose, n'est-ce pas frère? Oui. Donc, point quelqu'un dit que tu as toujours quelque chose à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Même quand tu crois que tu n'as pas. Parce que Jésus a dit, à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est quand même curieux comme verset biblique. Il dit, celui qui n'a pas, on notera. On note donc quoi s'il n'a pas? Donc si vous avez vous caché, c'est votre problème. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a toujours quelque chose. Parce que si tu n'avais rien, tu serais mort depuis. N'est-ce pas? Tu as quelque chose à donner. Tu peux avoir ton temps, de ton temps. Tu peux être chômeur. Tu dis, j'ai plus de le temps. J'ai une veuve ici qui chaque fois marche par l'épuiser l'eau. Ce n'est pas normal. Je m'en charge de la ravitailler avec de l'eau. Voilà ce que tu as. Pas vrai, frère? Tu as du temps. Tu as de la force. Ah, je vais chez maman, comment tu vas? Oui. Ce n'est pas normal qu'une veuve en train de prendre la hache pour faire des bois. Parce que cette hache, elle se blesse, elle ne doit pas guérir comme ça. Avec ses reins, c'est pas normal. Maman, recule-toi. Tu le fais du bois. S'il faut chercher, vous faites du bois, vous faites le feu. C'est ça, frère. Pendant que tu fais pour le bois, ton papa, c'est le temps pour faire le bois et l'eau. Entre temps, un autre frère lui donne de l'huile chaque fois. Remarquez bien ceci. Lui donne de l'huile. Et l'autre fois, un autre frère qui vient chaque jour, il vient du riz. L'un a donné de l'huile. L'autre a donné de l'eau. L'autre donne du sel. L'autre donne du bois. La maman prépare, elle mange, elle ne voit pas l'absence de son mari. Ah, c'est pour tout le monde dans l'assemblée aussi, n'importe qui au quartier. Dans le verset biblique là, tu as vu le nom de quelqu'un? Non. Voilà. Alors donc, faisons attention. Dieu a mis les pauvres au milieu de nous pour que personne n'a rien à redire. Que je ne savais pas. Mais en tout cas, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous le savez. Amen. Souvenez-vous, vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à donner. Vous avez toujours quelque chose à donner. Quand vous regardez dans votre maison, vous allez chez les femmes. C'est encore, les femmes encore vont me tuer seulement. Vous allez chez elles, vous ouvrez la penderie d'une femme. Le sac bleu. Le sac noir. Laisse au pas là, j'arrive.
le sac bleu, le sac noir, le sac rouge, le sac jaune, le sac multicolore, le sac marron, le sac beige, le sac qu'on casse les couleurs. Tu dis, ma soeur, c'est pourquoi tout ça? Et quand il porte le bleu ci, avec mon talon noir ci, je porte le haut blanc là, je casse la couleur avec le sac ci. Entre temps, elle a tout ça chez elle. Elle l'observe chaque fois en assemblée. Une soeur qui vient chaque fois, peut-être avec les cailles. Elle n'a pas de sac. Rien ne lui dit dans le cœur que tu dois partager tes biens de tes restes avec ta soeur. C'est parce que je comprends. Tu dois partager. Parce que si vous avez. Regardez bien. Dans le livre de Luc, chapitre 3, quand le prophète Jean est venu commencer à prêcher, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les sacrificateurs quittaient le temple pour venir là-bas. Pas vrai? Tout le monde venait en foule. On croyait que c'était une nouvelle doctrine. On vient. Les gens posent la question, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ok. La repentance, c'est quoi? On demande pardon à Dieu parce qu'on a mal vécu. Dans la pratique, parce qu'il dit qu'il produisait les fruits dignes de la repentance. Il faut que votre vie montre que vous vous êtes repenti. Ok, maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez ce qu'il a dit, frère? Que celui qui a deux tuniques, donne-en un à celle qui n'en a pas. C'était difficile, ça, frère? Est-ce que c'est un commandement nouveau? Dieu leur avait dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8, quand vous serez entré dans le pays où coule le lait et le miel, et que Dieu vous aura béni, garde-toi d'oublier le pauvre et l'indigent qui sont au milieu de toi. Et ne dis pas que c'est pas ma force que je l'ai acquise. Vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? J'ai trop fréquenté Jésus. Vous ne savez pas comment ils souffrent pour avoir de l'argent ici. Il y a des gens qui souffrent plus que toi, on souffre plus que toi, n'ont jamais obtenu. Donc tout est grâce. Tout est grâce. Vous comprenez? Il y a des gens, j'ai rencontré des gens dans les hôpitaux pour aller en prier. Quelqu'un qui est couché à l'hôpital comme ça, milliardaire, il souhaiterait seulement être debout comme toi, comme ça. Il te regarde comme ça là. Dans son cœur, c'est que c'est pouvoir avoir la santé de celui-ci, même s'il faut donner le milliard que j'ai. Mais il sait que la mort en train de le prendre. Qu'est-ce que lui servira ces milliards-là? Regardez tous les riches de ce Cameroun, c'est tout, sans exception, qui sont morts. Regardez les biens et la guerre qu'il y a dans la famille. Au contraire, la richesse, comme ça n'a pas été conditionné par l'Esprit de Dieu, cette richesse-là crée plutôt la guerre entre les hommes par la suite. Pas vrai ça, hein? Regardez les veuves qui ont été dans les familles bien. Regardez ce que ça se passe. Dès que la femme, le mari meurt, c'est la nuit là qu'on commence. Donne-nous les titres fonciers. Donne-nous les titres de bien. Remarquez ce que là où le cœur de l'homme est parti. Le matériel. On est la personne qui venait chez toi manger. Même la personne qui a gagné chez toi, parce que tu as donné même le travail, qui a mangé sur ton toit, est capable de te mettre le couteau à cause du matériel. Le monde est tellement comme ça. Mais nous ne devons pas tout comme ça. C'est au milieu chrétien donc on devrait connaître comment Dieu veut qu'on vive. Vous me suivez, frère? Amen. Vous me suivez bien? Amen. Alors, si vous avez dans le bien de ce monde-ci, vous, entre vous les chrétiens, vous ne vous entraidez pas. Vous allez entraider le monde, vous allez aider le monde. Si déjà entre vous les croyants, vous ne parvenez pas à vous donner les coups de main les uns des autres, est-ce que vous allez faire ça au monde? Dans le livre de Galates que vous avez noté tout à l'heure au chapitre 6, verset 9 et 10, il dit que ne nous lassons pas quoi, de faire quoi? De faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable. Il dit si nous ne nous lassons, donc c'est un style de vie. Faire du bien est un style de vie chrétien. Donc c'est dans les gènes chrétiens de faire du bien, c'est naturel. Et Jésus dit, quand vous faites du bien, n'attendez rien en retour. Donc n'attendez pas de merci. N'attendez pas. D'accord? Il dit faites du bien à tous. Il dit que, et surtout aux frères dans la foi. Mais il a dit à tous, donc tout le monde doit obtenir les bontés du chrétien. Principalement d'abord le créer, les chrétiens. Vous comprenez, frère? Amen. Moi je suis, n'est-ce pas? Demandez la position pour se finir. Pour? La position pour prier. La position pour? Prier. On va se coucher, on va se mettre à genoux. Regarde, il y a tout cela dans la Bible. Il y a des gens qui sont debout, les gens qui sont assis, les gens qui sont couchés. Donc sens-toi libre. Si ça ne va pas, tu plonges même ta tête dans le sable, tu pries seulement pour que ça arrive. D'accord, ma soeur? Alors. Oui, même si on plonge même dans l'eau de l'eau. Mais tu, alors, souvenez-vous de ceci, je vais essayer sur le point-ci. Parce que ce point-ci, c'est le point essentiel de notre preuve de chrétienté. Je veux qu'on s'entende là-dessus. Dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit, c'est à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. L'amour entre vous, donc, comment vous le manifestez pour qu'on aille, pour qu'on voie. Quand vous réunissez comme ça, il y a une preuve d'amour. C'est juste une réunion. Peut-être il peut y avoir des sorciers ou des sorciers en gerbe là-bas. Pas vrai? Mais il a dit à tout ceci, à ceci, la manifestation de l'amour. On dit, on a vu les disciples, on a dit, c'est là où on a donné le nom de chrétiens. Initialement, c'était des disciples. Ils suivaient la discipline tellement du Seigneur jusqu'à ce qu'on voyait qu'ils étaient en amour. En fait, la Bible dit 2, dans Acte chapitre 2, si vous lisez le verset, à partir du verset 40,
La Bible dit d'eux qu'ils avaient tout en commun. Personne n'osait dire que quelque chose lui appartient en propre. Maintenant, tout à l'heure, dans la première partie de le livre, vous avez lu chapitre 16, vous avez vu Lydie qui, lorsqu'elle a cru, elle a été baptisée avec sa famille, elle pressait les apôtres à entrer chez elle. Aujourd'hui, quand les gens disent qu'ils ont cru, ils disent que votre église est plutôt où? Vous voyez le paradoxe entre la Bible et les gens aujourd'hui. Quand vous prêchez à quelqu'un, la personne entend, vous allez dire, le frère, il prêche où? Il a une maison. Cette personne, c'est une maison, mais il dit que le frère, il prêche où? Parce qu'il veut aller dans la tête. La pensée babylonienne a dit qu'il y a un endroit qu'on appelle église, il faut aller. Mais cette femme-ci qui ne connaissait rien, quand elle a cru, elle a dit que si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez chez moi. Et à partir de cet instant, on a commencé à faire des prières chez elle. Elle a ouvert sa maison au Seigneur. Aujourd'hui, les gens croient, ils demandent plutôt là où il faut partir pour prier. Vous voyez les différences, n'est-ce pas? Alors donc, faisons attention, faisons attention. Dans la Bible, quand il prend cette femme, c'est pour montrer effectivement qu'elle a dit que sa maison ne lui appartient plus, c'est au Seigneur. Amen. Maintenant, ça veut dire que tous les frères qui passaient pouvaient arriver là-bas et dormir, aller n'importe où. C'est comme ça que les chrétiens vivaient. Mais aujourd'hui, même chez les chrétiens, tu entres comme ça. C'est vrai qu'à cet instant-ci et à cette heure-ci, il faut redéfinir le mot chrétien. Parce que ça avait raison que les gens aussi foncent là-bas. Parce que les chrétiens les ont traités. Hein, maman? Tu es qui? Je suis chrétien. Pointe quelqu'un. Dis, il ne faut pas être seulement chrétien. Il faut être disciple du Seigneur Jésus. Parce que chrétien, dans notre époque, sonne comme quelqu'un que j'étais catholique. Maintenant, je ne suis plus catholique, je suis protestant. Voilà chrétien. Comment tu es devenu chrétien? J'ai grandi là-dedans. On ne grandit pas chrétien. Vous devez naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas encore. Vous êtes en route. On est en train de vous chip. Vous êtes en train de suivre. En tout cas, vous êtes dans la religion. Il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous intègre dans le corps. D'accord? Il faut le baptême du Saint-Esprit pour vous transporter hors des ténèbres, pour vous transporter dans le corps. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est pour ta famille, ton quartier, ton village. Bien que tu entends de bonnes instructions, tu écoutes de bonnes choses. Alors ce point, je recommence encore, ce point des données est un point essentiel dans les Saintes Écritures. Jésus dit donc, dans Luc chapitre 6, dont je vais te donner le verset 36, il dit « Donnez et il vous sera donné. » Car on vous mesurera, écoutez bien ça, selon la mesure dont vous serez servi. Un homme est malade. Regardez la parabole du Samaritain. Comment quelqu'un qui ça n'intéressait même pas. Il n'était même pas de son peuple. Donc il avait davantage raison de traverser cet homme-là. Pour montrer qui est son prochain. D'accord? Pour montrer qui est son prochain. Il y a un sacrificateur. Un lévite est passé. Un juif est passé. Ils sont passés. Ils ont laissé leur propre peuple. Un Samaritain qui était ennemi d'abord d'Israël. Ton mouchoir est tombé là, maman. Un Samaritain qui, par culture, était ennemi du peuple d'Israël. Est venu, il a pris la personne. Verser de l'huile, mettre sur son propre chameau et puis transporter la personne dans l'hôtellerie, payer son hôtel et dire au type de l'hôtel, prends-en soin, c'est n'importe quoi, mais c'est mon compte, je viens de payer. Il dit, voici donc comment il faut faire, voilà donc comment il faut agir avec son prochain. Amen. Il n'a pas voulu savoir de quelle personne, non, je ne vais pas l'aider, il n'est pas de ma tribu. Dieu n'a pas de tribu, Dieu a les croyants. Amen. Dieu a ses enfants. Ses enfants n'ont pas ne parlent pas le langage des dialectes, ils parlent le langage de la Bible. Amen. D'accord? Leur expression, c'est l'expression biblique. Parce que leur vie, que tu sois chinois, indien, n'importe quoi. Quand tu es chrétien, ça veut dire que les mêmes normes bibliques s'appliquent à toi. Et par conséquent, je peux t'appeler frère. La couleur, importe pas. Enfin, ça ne regarde. La tribu importe peu. Parce qu'il a dit qu'il appellera les nations qui n'étaient pas son peuple et ils invoqueront son nom. D'accord? Voilà pourquoi nous avons des frères et des sœurs dans le monde entier. Nous pourrons prier pour les chrétiens qui sont en Chine sans les voir. Parce que la même source qui est en nous coule aussi en nous, la source d'eau vive. Vous comprenez? Donc, la barrière culturelle, la barrière tribale ne ça ne doit pas se mentionner au milieu chrétien. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Vous allez à Douala, vous allez voir effectivement que c'est quand même curieux. Vous allez dans un endroit, on dit que culte Ambassa à de 10h à 20h. Bon, ça dit que si je suis pas Bassa, j'entre là-bas, j'entends seulement le charabia. Vous voyez à quel niveau on se retrouve au milieu de l'église, hein? Vous voyez à quel niveau on se retrouve au milieu de l'église. Et donc, si quelqu'un, si le pasteur est bamiléqué, la majorité des gens bamiléqués vont croire par là-bas. Si de l'autre côté, c'est un pasteur Douala, les malheureux pasteurs doivent l'avoir. Si un Congolais, un Nigérian vient ici au Cameroun, il cherche l'église où il y a un Nigérian pour y aller. Vous voyez cet esprit ici en milieu chrétien. Voilà un esprit en milieu chrétien qu'il faut bannir. Si un pasteur, comme on voit maintenant dans les dénominations, s'il est Douala, il nomme ses adjoints, les Douala, les finances Douala, les postes. Après, quand il se réunit entre eux, il dit l'ingraphie, là, aime trop l'argent. Il faut faire attention. Et l'ingraphie, là, il faut faire attention. Ça, c'est au milieu chrétien, ça. Oui, ces choses ne doivent pas être mentionnées au milieu de nous, dit les Saintes Écritures. Amen. D'accord? Nous devions parler le langage biblique. On ne doit pas se réunir en clan.
on ne doit pas se réunir par considération de personne. La vérité seule, la vérité doit être la source de notre bannière. Nous devons nous réunir tout simplement. Ça veut dire que moi, comme je suis comme ça, si ce frère, si c'est mon frère, de même sens, en tout cas, pour moi, ils connaissent déjà. Parce que chacun me fuit quand c'est comme ça, on va mettre ça droit. Si tu fais quelque chose qui n'est pas selon les Écritures, je te reprends exactement là. Et tu dois, j'ai intérêt à le faire. Parce que si je ne le fais pas, Dieu va me demander des comptes. S'il dit maintenant que comme c'est mon frère, il ne doit pas dire. C'est, et au jugement, je vais m'en sortir comment? Donc mieux, je ne m'en sors pas avec toi, je m'en sors avec Dieu. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je préfère que je vous dise la vérité. Mais c'est quand il parle au papa là que le gars la dérange. Il n'invite plus ici. Mais que je vous aurais dit. Parce que vous avez entendu cette voix, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Vous avez déjà entendu la vérité. Ou mieux encore, vous déchirez le psaume 41. C'est pour ça qu'il fait le fort de vous donner dans des parts et d'autres. Alors, tu déchires le psaume 41, tu es obligé de déchirer Esaïe 58. Tu es obligé de déchirer Luc. Ouais, finalement, vous devez déchirer la Bible. Et vous n'allez plus lire. Et vous le prenez n'importe quelle version biblique, vous allez trouver ça dedans. Amen. Amen. Alors, il dit, donne-nous le lien de la méchanceté. Donne ton pain à celui qui a faim. Il dit, et quand tu vas faire cela, quand tu vas appeler, le Seigneur va répondre. Maintenant, posons-nous tout simplement la question. Depuis que j'appelle, pourquoi Dieu ne répond pas au sorti de tout ce que nous avons vu? Combien, depuis que vous travaillez? Parce que les gens, vous voyez aujourd'hui, comme le pasteur les a embrouillés, il faut donner tes dîmes, il faut donner les premiers, ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec tout cela. Vous avez de l'argent, vous ne savez pas comment gérer. Il y a les manières chrétiennes de gérer sa finance. Parce que vous dites, Jésus, notre Seigneur, il est mon Seigneur. Mesurez bien la phrase que vous venez prononcer. Il est mon Seigneur. Et puis vous prenez l'apôtre Paul. Vous le citez. Galates chapitre 2, verset 20. Si j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je prends mes problèmes, je donne à Dieu. Je prends mes ennuis, je donne à Dieu. Mes difficultés, je donne à Dieu. Vous avez entendu, je prends mon argent. Vous avez entendu ça dans la musique là, hein? Parce que son argent lui reste. Son argent lui reste. Il ne dit pas que mon porte-monnaie, je donne à Dieu. Parce que s'il donne à Dieu, Dieu dit, donne ça à tes personnes. Il a travaillé quoi? Ce sont ses problèmes seulement que Dieu gère. Ça ne doit pas être comme ça. Vous comprenez? Alors, les pauvres nous regardent. Ou mieux encore, puis-je dire, Dieu nous regarde au travers des pauvres. Dieu nous regarde au travers des pauvres. Vous méprisez un pauvre. Si vous avez méprisé un pauvre, vous devez vous repentir. Si vous avez méprisé une veuve, vous avez amené une veuve à être fâchée de vous. Écoutez très attentivement, ce qui est encore bien dans les Saintes Écritures, c'est que Dieu dit les veuves, les orphelins. Dans la Bible, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 8, Dieu avait même dit aux Juifs que si vous arrivez dans votre pays, vous méprisez les étrangers. Ils vont crier à moi, je vais vous frapper. Pourtant, les étrangers ne sont pas son peuple. Même si tu es le peuple de Dieu, tu fais ces choses, Dieu va te frapper. Parce qu'il n'a pas dit, je suis le père des orphelins chrétiens. Le père des veuves créées. Il a dit, il est le père des orphelins. Des orphelins. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Parce qu'il y a un titre qui n'est pas chrétien. C'est le titre de père. Le titre de Dieu de père existe avant la chrétienté. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc en tant que père, la paternité doit être exprimée. Doit être exprimée. Donc il doit exprimer la paternité dans la vie de cette personne sans que cette personne ne soit directement, de façon engendrée, son fils. Et par conséquent, l'expression du père est exprimée même par les païens. Les païens portent les attributs de Dieu, même sans être chez Dieu. Les juges de la terre qui jugent injustement là portent les attributs de Dieu. Les avocats de la terre qui prennent l'argent pour faire la corruption portent l'attribut de Dieu. Les rois de la terre qui tuent les gens pour rien portent les attributs de Dieu. Mais ils devraient l'exprimer d'une certaine façon comme Dieu le veut. Mais comme il ne veut pas, c'est pour ça que Dieu dit dans le psaume 2, pourquoi ces vains discours parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre sont ligués-ils contre son serviteur et contre son roi? D'accord? Il dit que jusqu'à quand? Il dit que le roi de la terre le prend pour appui, le fils, il baisse le fils avant qu'il ne s'érige. Donc, les rois de la terre ne comprennent pas tout simplement que l'attribut qu'il porte, c'est Dieu qui donne. Pour exprimer comment il doit manifester, comment il va gérer le peuple. Alors, je recommence encore. Dieu n'a pas dit dans les Saintes Écritures qu'il est le père des orphelins chrétiens. Il n'a pas dit qu'il est le père des orphelins juifs. Il n'a pas le père des orphelins ou des veuves, des défenseurs de veuves chrétiens. Non, il a dit le défenseur de veuves. Vous me suivez, frère? Amen. Voilà. Ça veut donc dire que si vous êtes chrétien, c'est à vous-même de plus d'implémenter la loi de Dieu en respectant ces choses. Si vous ne le faites pas, même une femme qui est veuve et qui est sorcière, prie ton Dieu, que le Seigneur frappe-le, il te frappera. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Là, il y a une cause, pas vrai? Il dit qu'il est le défenseur des veuves, il défend les veuves. Et Dieu est juste, c'est pour ça qu'il peut faire une séparation entre vous deux.
Parce qu'il faut qu'il prononce une sentence contre quelqu'un. Il déclare le coupable et la sanction y a affaire. Et donc, s'il entre dans la justice, oui. Tu es mon fils. Je suis son défenseur. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a insulté l'autre jour. Il m'a dit jusqu'à ce que je suis sorcier. Tu as dit ça, hein? Damn! En fait, comme tu es fils, il doit même bien te châtier. Pourquoi tu ne fais plus ça? Parce que c'est à nous de donner des exemples. Vous me suivez, frère? Alors, donc, prenons garde à ces choses-ci. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, examinez dans votre famille, dans votre vie, autour de vous, les orphelins. Prenez-en soin. Les pauvres. On n'a pas fini avec Isaïe 58, parce que ça arrive. Les pauvres, examinez-en. Les veuves, visitez-les. Remarquez une fois de plus, j'aimerais faire cette apostrophe. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un style de vie. Ça doit être naturel, comme si vous levez le matin, vous prenez la brosse, vous brossez sans que l'on vous dit. Depuis qu'on vous a donné le cours à l'école, que le matin on se brosse là. Chaque jour, le professeur vient vous dire encore ça. Hein? Non. N'est-ce pas qu'automatiquement vous levez, vous savez qu'il faut vous brosser. Faites comme ça. Vous allez commencer. Même si le sang que vous brossez, le sang court, vous brossez quand même. Même si ça fait mal, donne. Continuons ici, frère. On a dit au niveau, il dira, tu appelleras et l'Éternel te répondra. Oui. Tu crieras et il dira, me voici. Oui. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Le jour. Mm-hmm. Les gestes menaçants. Les gestes menaçants. Et les discours injurieux. Les discours injurieux. Il y a des gens, les femmes alors, quand elles ouvrent la bouche, ils disent que je peux t'insulter comme ça, on te vend ma 5 fois, on n'entend pas. Elle même qui dit comme ça. Elle dit que je peux t'insulter, même à 5 fois, tu ne me connais pas. Hein? Je suis une banganté. Vous dites que nous, les banganté, quand on insulte, c'est grave. Vous comprenez ce qu'il en est? Il dit que si tu éloignes de toi le discours, quoi? Injurieux. Mm-hmm. Le Nouveau Testament met ça de cette façon-ci dans l'Ude d'Éphésiens chapitre 4. Verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, une parole de grâce qui communique, d'accord? Vous allez seulement communiquer des grâces à ceux qui l'entendent. C'est pour ça que Jésus avait dit que bénissez toujours et ne maudissez pas. Donc même si on vous fait un peu comment dire que le Seigneur était béni. Ça ne doit pas dire que je vais te montrer de quoi il me chauffe. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ces choses doivent s'arrêter. Et si vous avez la fait, il est temps que nous demandions pardon. Et qu'on prend un nouveau cap maintenant. Que nous sortions ici aujourd'hui, sachant que comme je sors là, ma chrétienté doit changer. Je dois vivre la vie pratique de la vie chrétienne. D'accord? Allons-y, mon cher. Si tu donnes ta propre substance. Non. Lis ce qui est écrit. Si tu donnes ta propre subsistance. La subsistance, c'est ce dont tu dépends pour vivre. D'accord? Si tu donnes ta propre subsistance. Écoutez bien ce qu'il dit. Si tu donnes ta propre subsistance. Or, maintenant, pour celui-ci, sa subsistance n'est pas nécessairement la subsistance de cet autre frère. Ni la subsistance de cet être seul. Donc chaque personne a sa propre subsistance. Donc il dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui. Si tu rassasies l'âme indigente. Et l'âme indigente, oui. Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Sur l'obscurité. Alléluia. Amen. Maintenant vous pouvez comprendre ce qu'il en a dit en parabole aussi. Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Ça veut dire que tous les endroits où les ténèbres régnent dans ta vie, ça sera balayé. Amen. Les oppressions que vous pouvez avoir, que ce soit peut-être le kyste, n'importe quoi que vous pouvez citer dans votre vie comme problème, ça va se résoudre. Amen. Ça va se résoudre, d'accord? Amen. Continuons. Et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire que tu vas même te moquer même de ce que les démons vont faire. Oui. L'Éternel sera toujours ton guide. Soulignez le mot toujours. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Ça veut dire que chaque fois quand tu voudras une direction, il est là pour te guider. N'est-ce pas une chose merveilleuse que d'avoir cette relation avec le Seigneur? Amen. Continuons. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Oui. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. À tes membres. Vous entendez, regardez bien, de la vigueur à tes membres. Amen. Continuons. Tu seras comme un jardin arrosé. Vous entendez ça, frère? Un jardin qu'on arrose chaque fois, l'herbe est toujours verte là-bas. Pas vrai? Maintenant, arrêtons là-bas. Je crois que vous allez lire ça par derrière. Notez aussi Job chapitre 31, vous allez lire et méditer. Parce que si on continue, on n'a pas fini aujourd'hui. Alors, voici donc. Comment vous pouvez faire pour... Je recommence encore une fois de plus que je sois clair. Quand vous donnez à quelqu'un, vous devez même supplier Dieu que comme je n'ai pas donné là, que la personne s'accepte. Parce que le pauvre, c'est une banque de multiplication. Job chapitre 31. Prenez le temps de lire ces Job là. Lorsque vous voyez ces choses dans les Saintes Écritures, comprenez que lorsque vous allez donner, vous avez intérêt à ce que la personne reçoive ce que vous donnez. C'est-à-dire qu'il prend ça avec action de grâce. Si le prend avec action de grâce, c'est-à-dire qu'en remerciant Dieu. En remerciant Dieu. Alors cette personne, ce qui remercie Dieu, appelle comme ça sur vous des bénédictions. Ouais, mon fils. Une bouteille d'huile. Et puis tout change.
une bouteille d'huile et tout change. Ah mon fils, je n'ai rien à te donner, mais que Dieu te bénisse. Amen. Va seulement. Mais ce qu'elle est dépassée dans le cœur et ce qu'elle peut exprimer avec sa bouche peut donner des paroles mortelles. Mais ce qui est soupir à l'intérieur sous l'inspiration de cette offrande si donnée. Parce que la Bible déclare que les présents ouvrent des portes. Alors cette offrande que tu lui donnes et que cette personne s'y dit à la, ce que cet homme m'a fait, ce que cette soeur m'a fait, nul ne m'a jamais fait cela. Souvenez-vous, faites ces choses-là sans prendre la trompette. Sans crier devant, tu vois telle soeur, le sac qui fait ça, sans moi, il ne devait pas porter ses ventes aujourd'hui. Quand mon sac, c'est mon sac. Regarde, le corps qu'elle porte là, c'est moi qui lui ai donné. J'avais ça à la maison comme ça, c'est ma soeur qui m'a donné ça en Europe. Je suis venu ici, j'ai vu comme ça, une pauvre pembèche comme ça. Celle qui me parle comme ça aujourd'hui, ça c'est un milieu chrétien. Et le Seigneur dit, quand vous donnez, que la main gauche donne, que la main droite donne, ne savent pas. Si tu fais ces choses-là, la Bible dit que tu as déjà ta récompense. Parce que la personne dit que le fait que quelqu'un dit, waouh, c'est toi qui as donné ça, oui, vraiment tu es bien, hein, tu as ta récompense. Mais quand tu sèmes dans le secret, le Dieu qui va dans le secret, remarquez une fois de plus, c'est que quand vous donnez en chaussure, Dieu choisit comment il va multiplier. Vous donnez en chaussure, il peut donner en bénédiction en enfant. Vous donnez en argent, il peut donner plutôt la restauration en santé. Vous pouvez donner la nourriture, il sort plutôt en te protégeant des démons, des accidents. Donc c'est Dieu qui multiplie. Vous suivez mes frères et sœurs. Amen. Qui s'engage aujourd'hui à traiter durement sa vie pour mettre en pratique ce que nous venons de lire là. Ça, ce sont des fondamentaux de la Bible. Vous ne pouvez pas avancer parce que la base fondamentale de notre foi, c'est qu'il y a trois choses qui doivent demeurer. Nous avons l'espérance de notre salut. Nous avons la foi. Et puis nous persévérons dans l'amour. Les trois choses qui doivent demeurer, ça ne peut pas changer. Et c'est en cela que tout est coordonné. C'est sur ces trois-là, voilà les piliers qui ne peuvent pas changer. Toute la connaissance-là, les prophéties, au-delà, tout cela, ça va périr. L'amour, la foi, l'espérance va rester pour toujours. D'accord? Poussons quelqu'un au côté de nous qu'il désire Christ. Il dit, mais poussons des gens qui sont à côté de nous. Poussons ces gens-là à désirer servir Christ. Amen. Parce que par vos actions, au lieu de dire aux gens que viens dans mon église, viens dans mon église. Il y a des pasteurs qui ne veulent même pas voir les pauvres dans son église. Parce que vous les dérangez. Parce qu'il va voir, il va voir le nom, vous êtes 100. Il voit la collecte, il voit 10 000. Il va vous prêcher sur l'argent jusqu'à même pas. Vous allez voler même pour venir donner. Vous comprenez cela? Parce qu'il voit les gens comme des sources de gains. Alors c'est pour ça qu'il peut dire qu'en venant dimanche, venez à votre famille. Viens, si vous avez votre dîme, venez vous bénir, Dieu va vous multiplier, c'est pas cela. Vous avez vos offrandes à faire, cherchez les pauvres, donnez-les. Amen. Vous avez les orphelins, occupez-vous-en, c'est votre source de bénédiction. Amen. D'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenez une pause de 2 minutes encore, on revient. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des moqueurs qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices.
par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Sur la croix, toi le germe de l'éternel,